Alors, dernier jour de vlog parce que c'est le dernier. Oh, y a un chien derrière. Il est pas content, son maître l'a laissé dehors. Ouais, c'est notre dernière vraie journée en Allemagne. Demain. Demain, du coup, on repart et on aura le temps de rien faire. Et de toute façon, on aura déjà tout fait. Donc, c'est la dernière journée où je vais filmer. J'ai pris les Strusel, bien évidemment. J'ai pris un truc comme ça qui ressemble. Mais c'est pas la même chose. Et moi aussi, Et ce qu'on a pris, c'est un truc unique qu'on ne trouve jamais. Je crois. En Allemagne. Je crois, c'est ça. Qu'on ne trouve pas en dehors de l'Allemagne. C'est du buttermilk. Maintenant, le buttermilk est peut-être un peu plus épais. Ouais. C'est peut-être juste du milk. Mais c'est quand même un truc, le buttermilk. On n'en a pas du tout en Belgique. C'est genre, en français, ça s'appelle du babeurre, en gros. Parce que je crois, encore une fois, ce n'est que des je crois. C'est genre, quand on fait du beurre, il y a le beurre qui se met d'un côté et de l'autre côté, on a le buttermilk. Et donc, j'avais vu un gars boire ça dans le métro et d'autres personnes en boire. Et genre, je suis vraiment mis buttermilk. Lui, c'était pas à la banane, mais à la fraise. Voilà, donc là, on a la place de prendre un café, comme on peut le trouver partout. On a préféré de prendre, encore une fois, une spécialité. Voilà. Et c'est bon ou pas? C'est très bon. C'est fort sucré quand même. Ah. Mais franchement, c'est bon, ça goûte beaucoup la banane. C'est et moi, j'aime bien la banane. Parfait. Eh bien, aujourd'hui, en fait, c'est la journée où on va faire tous les musées. Ok. Là, on a déjà un premier musée. Après, on ira sur l'île. Mais là, ici, on est pas encore là. On est au musée de l'histoire naturelle. Donc, déjà, il y a ça. Oui. Un petit dinosaure. Des vrais dinosaures, des squelettes de dinosaures complets. Et là, il y a. Un brachiosaur. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais c'est gigantesque. Hein. De tous les mountain dinosaures que j'entends, mais de brachiosaurus, de brachiosaurus. Mesure 13 mètres 27. Ah, c'est sur la tête. Il est avec pas. J'essaie de fou. Hein. Gros corps, petite tête. Hein. Ouais. C'est quand même un peu grand. La tête avec les petites mains. Et franchement, je valide. Hein. Les côtes là qui font ma taille surtout là. Ouais. Des petits dinosaures là vraiment. C'est incroyable. Là des milieux historiques. C'est un préhistorique, ouais. Bah, elles ont pas changé en vrai. Tu vois celle-là, c'est la même taille que celle qu'il y a dans mon jardin. Ouais. Il y a des animaux mal formés dans du fromage. Un double chien. Et je sais plus ce que c'est ça. Donc là ici on a un crâne de T-Rex. Ah, mais sauf que ça c'est un bébé hein, ça déjà. Donc vous voulez voir déjà la taille est incroyable. Ça c'est un adulte. Voilà. Et ça c'est comme le Jurassic Park. Ouais, voilà. Attends, mets-toi à côté. Qu'on voit. Ah ouais. Putain la taille du machin. En fait il me gobe comme ça. Ah clairement. Là c'est les dents, ça fait au moins ça fait la taille de ma main. C'est incroyable d'en voir un vrai quoi. Ouais. Et là c'est quoi là? Ça, c'est un allosaure ça. Un peu plus petit. Ouais. Plus élancé. J'ai l'impression. Pas moins impressionnant. Ouais. Ah c'est stylé. Et c'est énorme, je pensais que c'était plus petit que ça. Bah non. Oui. Attends, mais ça c'est un vrai. C'est énorme. La taille de la chaîne. Avec ses petites pattes. Ça peut peser jusqu'à 6 tonnes. 6 tonnes? Ouais. Juste le squelette ou vraiment le truc vivant? Le truc en entier, genre vivant, c'est 6 tonnes. C'est vraiment. Ouais, c'est dingue à quel point ils sont bien conservés. Bon, ils sont pas à 100% ouais, complets. Hein, mais... hein. Tout ce qui est en noir, je suppose que c'est ce qu'ils ont réellement et le reste, c'est ce qu'il y a du métal. Ouais, les côtes, c'est des fosses par exemple. Ou par exemple, celui-là, vous voyez, il manque son crâne en fait. Du coup, là, le crâne, c'est un faux. Non, le crâne, c'est celui qui est à côté. Sinon, dans les pièces d'à côté, on a vu des cristaux et des pleins d'animaux empaillés. Mais surtout, la plupart des animaux empaillés, c'est des trucs encore vivants. Il faut se dire, on aurait préféré les voir en vivant dans un zoo. Mais voilà, je vous mettrai quelques plans. C'est sympa, mais voilà. Et là, on a des œufs. Là, on a des œufs, ouais. Des œufs de dinosaures. Qui viennent de Frankreich. De France. Ouais. Intéressant. De Metz. Ouais. Bah, il y a de quoi voir. Hein. Donc là, c'est toute la collection du musée mais avec des animaux dans le fourneau. Et il y a de quoi faire. Hein. C'est. Il y a de tout. Là, il y a des poissons. Essentiellement. Là, c'est que des poissons ici. Un
c'est juste une tête de silure en fait. Là, c'est juste la tête. Ouais, tu imagines bien qu'il rentrerait pas dans un pot. Et on a vraiment l'intérieur de la réserve, mais on peut pas y aller. Hein. C'est vraiment pour les scientifiques, ça. On remplit de poissons, les zones de collection en poissons. Ouais, ouais. Une lampe proie. Ouais. Regardez, c'est l'intérieur de ça. La tête du blague du diable, c'est vraiment un aspirateur vivant, ça. C'est une tête de requin, là aussi. Il y en a un peu partout, en fait, des requins. Ouais. Encore, c'est des bébés. Ok, alors nous sommes arrivés à la maison Insel. On a toujours des bâtiments très impressionnants. Regardez la taille des gens. Et regardez la taille du bâtiment. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, voilà, donc c'est une île remplie de grands bâtiments et de musées. Il y en a plein, mais on va en visiter 3. Voilà. On va en visiter 4, mais il y en a un, il ouvre tous les soirs de pleine lune. Ouais, genre. Tous les. Ouais, tous de midi les. Midi à 18h le jeudi. Seulement deux jours par an. Enfin, ouais. Le samedi. Donc, bah, vas-y, on n'est pas là le jeudi, donc ils vont. On n'est pas là voilà. Samedi. Ils iront se faire foutre. Après, on aura tout visité sur notre liste. Là, on n'aura plus rien à faire. Ouais. Ah ouais, c'est pas même des bouches, les couilles, si elles sont. Batterie, ouais. C'est cool. Et donc là, on va faire le musée qui est le plus proche, qui est le musée de la RDA. Tout simplement, de la DDR. Bon, on est toujours dans le quartier des musées. Et bah, sur les bâtiments, il y en a quand même qui sont pas mal amochés. Il y en a même des qui ont été en partie. Il y a carrément des parties qui sont totalement neuves à côté refaites. Et bah, enfin bon, bref, ça, c'est, tout ça c'était dû au bombardement évidemment. Il y en a plein avec des impacts un peu comme ça ici. Mais là, je vous en montre un qui est vraiment flagrant. C'est celui-là. Il est vraiment boum. Il y a vraiment, il y avait certainement un canon de l'autre côté ici. Et je sais pas, il a dû manquer sa cible et ça a dû terminer dans le mur à mon avis. Alors pas de doute, c'est une église. Voilà. Avant de rentrer dedans, j'ai vu le tuning le plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Le Travers tuning avec une calandre de BM dessus. C'est génial. Elle est super cool. Ça rend super bien. Voilà. Et le gars a même un Instagram, je vois. Travis Boy. J'irai revoir ça. C'est très très cool. Voilà, j'aime beaucoup. Un bruit très spécial comme voiture. Ah oui. C'est très beau. C'est une très belle église avec beaucoup d'impacts de la guerre qui ont été réparés. On peut voir la petite place sur les colonnes. Là aussi, là, on voit juste continuer. C'est le morceau qui a été abîmé pendant les bombardements. Malheureusement, c'est 10 euros l'entrée. Ouais, et on va pas payer 10 euros pour ça. Chez nous, c'est gratuit à la cathédrale. Là, on est devant le musée de la RDA. Ouais, okay. Exactement. C'est encore une fois de plus en plus cher les musées. J'en ai marre. C'est vraiment cher. Là, c'est 13,50€, on peut vous dire. Et encore, nous, on est étudiants. Ouais, ce sera un peu moins cher pour nous, du coup. 108€, je crois, avec les sous. Regardez, ça, on a cette pièce que j'ai trouvée devant chez le kebab, là, le meilleur kebab du monde. C'est la pièce d'un euro. Ok. Press. C'est la pièce de 5 centimes. Mais faut le sélectionner. Genre, comment on sélectionne, en fait? Ah oui, ok. Moi, je veux ça, je veux la tramante. Voilà. Ok. Là, c'est cool. Tu veux la tramante, ben vas-y, mets ton truc. 1€. 5 centimes. Trouvé ici même, à Berlin. C'est okay. Ok, maintenant tourne. Attends, je tourne. Tu tournes, Nicolas. Ah, ah, ah. Mais attention à ta pièce qui va plus ressembler à rien. Et la tramante. Et voilà, c'est magnifique ça. C'est une belle c'est petite médaille. Voilà, je suis content. Allez, bon, on va essayer de rentrer dans ce musée. Ouais, on va rentrer là. Ouais, du coup, on est dans le musée et en fait, c'est pas la première fois, mais dans la rue, à chaque fois, on voyait passer ce style de moto, précisément. Mais en fait, il s'agit que c'est un style, c'est une moto qui vient de la RDA, simplement. Voilà. Voilà, la marque, ici. C'est pas mal. Je ne savais pas. Waouh. Une Volvo. Donc, d'après ce que je comprends, ça, c'est la voiture présidentielle. Avec le drapeau. Elle est super grande. Ah ouais, c'est une Volvo mais version limousine en fait.
regarde un peu la taille, la longueur des portières. C'est, elle fait au moins 5-6 mètres de long. 6 mètres au moins. Et l'intérieur est assez... C'est confort, hein, franchement. Et t'as de la place, hein, regarde, t'as de la place pour mettre tes jambes. Ouais. Attends, là-dessus, on a un cadavre. Ouais, t'as fait assez dans le coffre. Attends, regarde. Ah bah on a la, le modèle, la 264 TE. Ça fait de compliqué avec la carte. Non, ouais. Okay, donc, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'ici? Ah ouais, c'est un truc d'écoute. Et en gros, il y a la maison de l'autre côté et tu peux écouter ce qui se passe là-bas, c'est ça. En tout cas, les décos sont vraiment très très cool. Hein. C'est surtout vintage. C'est pas spécial en soi, c'est surtout très vintage et assez minimaliste en fait. Quand on voit les pièces de la maison, tout ça. Mais c'est pas mal. Alors là, on a les uniformes. Bon, il n'y a pas grand chose d'incroyable parce que j'ai déjà la même chose à la maison. Hein. J'avais une 56-66. Hein. Personnellement, le mien est un même. Moi aussi, j'en ai un, mais la peinture est encore neuve. Donc là, évidemment, ça c'est similaire au modèle des unités. Hein. Donc il n'y a vraiment rien qu'à changer. C'est vraiment neuf. Petit chez le chargeur de la K47. Le street arm. J'en ai acheté une. Ah, c'est les militaires il y a quelques temps. J'ai exactement la même chose. Tout à l'étonne mieux pour plus de parfum, plus chiffre. Toujours gris-pierre. Gris-pierre qui était déjà utilisé pour la seconde guerre mondiale. Ça, j'ai la même aussi. Merde, incroyable. Le flex. Tu peux essayer de voir ce qui se passe ici. Ah ouais. C'est une belle reconstruction. Ok, alors là on est sorti du musée, bah. Comment dire. Ah, déçu hein, en vrai. Ouais. Déjà, le prix. Le prix, oui. C'est genre, c'était. Genre, pour nous, on est étudiants, évidemment, étudiants, c'est toujours moins cher. Étudiants, c'était 8 euros. Voilà, c'est 8 euros, mais si vous n'êtes pas étudiant, c'est 13,50€. C'est 13€ pour juste un musée, c'est genre juste un bête sous-sol. Il y a du monde à crever, bon, ça c'est parce qu'à mon avis, il y a des sorties scolaires, tout ça. Ouais, là on est en plein dans quand les sorties scolaires ouais. En plus, il y a des trucs, tu te dis, j'ai la même chose à la maison, tu sais. Voilà, il y a quelques trucs intéressants. Donc franchement, il est bien, mais il vaut pas le prix. Vraiment, il vaut pas le prix. Il vaut pas le prix. Maintenant, je suis sûr que ça va être très intéressant. Si vous parlez bien allemand, etc. Ouais, si tu prends le temps de voir toutes les explications, tout ça. De tout lire. Ouais, ouais. Même la boutique de souvenirs, là, j'étais là. Allez, je vais acheter une petite baguette pour le frigo et je vois le prix, j'étais là. Non. Donc vraiment, c'est beaucoup trop cher, quoi. C'est un peu malheureux. Ouais. Vous pouvez y aller si vous avez vraiment de l'argent dépensé, que vous, voilà, vous aimez bien, mais en vrai, c'est vraiment pas du tout un indispensable. Oui, le musée de la Stasi, il y a beaucoup moins de monde. Maintenant, le musée de la Stasi, c'est si cher. Ouais. Ouais, mais au moins là les décors c'est des vrais décors. Ouais. C'est pas du truc reconstitué, tu vois, c'est des vrais décors d'époque. Donc voilà, moi je préfère ça. Alors finalement on a décidé de pas aller au musée parce que voilà, payer 10€ pour voir un seul ou deux trucs qui nous intéressent dans un musée immense. Et puis en plus le musée de la RDA là, il nous a Non, on n'allait pas dans ce musée, il est ménagé, ok. Vu qu'on a plus rien à faire, on a cherché qu'est-ce qu'on pourrait encore voir. Et on m'a dit qu'on voulait voir ça. Du coup, voilà. Une magnifique tour des années construite dans les années 70 qui s'appelle la Birkenwald. Voilà, c'est une tour assez spéciale. C'est très joli. Ah, c'est pas mal. Et en fait, c'est une boîte de nuit, c'est un bar, je sais pas quoi. Maintenant, c'est fermé, donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a quelques années, elle a été remontée par des graffeurs. Assez connu visiblement. Sa silhouette en fait se rappelle la forme d'un arbre. Ah ouais, là c'est vraiment impressionnant je trouve. C'est quand même assez grand. Et voilà, moi c'est une merveille architecturale. J'aime beaucoup. Je préfère ça que d'aller photographier les façades des musées, tu sais. Moi je suis plus sensible à ce type d'architecture. Mais moi ce qui est cool c'est qu'à Berlin tu peux trouver des trucs. Tu peux trouver des trucs super vieux, des trucs assez avant-gardistes comme ça. Quoi. Et voilà. Ouais, ça on dirait un peu un arbre, vu comme ça. Très beau quoi. Ok, alors là on est dans le petit cœur où il y a notre bêche et on tombe sur ça quoi. Là, il n'y a pas de doute, on est dans un ancien territoire communiste. Regardez-moi ça.
super bien. Regarde ça. Ça c'est... Tu verras ça nulle part ailleurs. Ah oui, putain, c'est bien. Ouais. Oh, c'est dingue. Elle est chelou, les bâtiments en face. Et je vais même vous montrer l'entrée des immeubles, parce qu'elle est assez spéciale. C'est vraiment des grandes entrées avec des grandes portes bien carrées. Bien, les grandes. C'est... Ouais. C'est regarde-moi toutes les, tous les gros trucs là, les immeubles. C'est magnifique là, on baigne dans un communisme, un ex-communisme qui est saute aux yeux. Aloha. Ah, voilà. Alors, pour le aujourd'hui, kebab. Dernière séquence de ce, cette série de ce vlog, cette série de vlogs, voilà. Parce que tout simplement demain nous partons et demain on a même temps de rien faire. De toute façon, aujourd'hui nous avons fait tout ce qu'on voulait à Berlin, en tout cas pratiquement tout. À part ce qui les fait musées, que... parce que. Ouais, par 2-3 trucs, mais. Voilà, ce qui fait que l'après-midi, là, on s'est un peu fait chier. Voilà, et on s'est dit, on va encore manger un kebab. Oui, c'est le quatrième kebab de... en 5 jours. Au moins, on pourra vous donner un avis objectif voilà, sur la moyenne de kebaberie de cette ville. Voilà, bon, on en a mangé 4, on dont les le a pas. Au monde. Voilà, il y a que celui-là qu'on a filmé pour l'instant, les autres, ils sont bons, mais ils valent pas le coup non plus. Et là on en a un peu dans mais celui-ci le même par contre, on a marché un peu plus longtemps, j'ai vu les notes. Celui-ci il est vraiment dans le même style. Hein. Ouais, il y a un peu les légumes frits, ouais, la feta ouais. Donc celui-là, je vous le montre, il va être intéressant. Voilà. Et en plus, on mange devant un ancien bâtiment communiste, on voit les piliers là. Ouais, c'est dingue. Exactement, on conclut la vidéo sur une bonne note. Bonne note. Ah ouais. Putain, j'en ai des légumes frits comme ça. Patates. Et le gars nous a dit, s'il vous plaît, genre en mode. Ouais, il avait fait un effort. S'il vous plaît, et c'est de parler français. Les Berlinois sont super sympas, ils sont vraiment incroyables. Et nous, voilà. On a fait l'effort de parler allemand. Ouais, bien sûr. Au début, on s'est dit, ouais, on va manger des hamburgers et tout. On s'est dit, ouais, des hamburgers, des bons hamburgers, on trouve aussi bien en Belgique qu'ici. Enfin, alors que les kebabs, c'est pas la même chose. L'Allemagne, ça dépasse tout. Voilà. Parce que c'est stylé, les gens, ils sont sympas, et en plus, il y a à manger. Il y a. Voilà. Donc là, pour l'instant, le meilleur pays étranger dans lequel je suis allé, pour moi, c'est l'Allemagne. Voilà. C'est le deuxième Pays-Bas, et voilà. Moi, je vais raid sur différents points, parce que comme ça, c'est mieux, tu vois. Déjà, niveau nourriture, Berlin est très, très bien classé, même, je dirais, très haut classé. Enfin, pareil, j'ai pas fait beaucoup de pays, mais franchement, on y mange bien mieux qu'en France. Je dirais même qu'on y mange mieux qu'en Belgique, hein. Même au niveau des boulangeries. Ici, on a des boulangeries vraiment de très bonne qualité. On en a aussi chez nous, hein. Oui. Mais ici, voilà, les pâtisseries allemandes sont à tout autre niveau. Mais en vrai, niveau architecture, c'est cool parce qu'il y a quand même des bâtiments. Genre, on passe un peu du tout au tout. Genre, rien que là dans la ville, entre ce bâtiment et le bâtiment d'en face, la différence est énorme. Ouais. Il y a énormément de parcs. Genre, il y a des parcs qu'on n'a pas été beaucoup, mais genre qui sont ouais. Énormes, vraiment. Ce sont des beaux parcs. Hein. Bah, globalement, c'est une ville où il fait très bon vivre. Voilà. C'est vraiment. C'est pas la ville la plus propre du monde. Là ok, on se fait, là, cet après-midi on se fait chier parce que nous on n'a plus rien à faire à voir en tant que touriste. Mais moi j'habiterai ici tous les jours, ça ne me dérangerait pas. Moi de base je n'aime pas habiter en ville, moi je préfère mille fois la campagne. Mais habiter à Berlin ça ne me dérangerait pas, vraiment. Parce que en fait t'as même, vraiment même pas la pression d'habiter dans une vraie ville. T'es jamais cerné par la campagne et tout, il y a des zones vertes partout, regarde ici, l'urbanisation elle est moins agressive. Ouais, voilà. Et franchement, le dernier point méga important, au niveau de la sécurité de la ville. Sécurité et propreté. Mais... Déjà, je trouve le meilleur exemple de sécurité ici, les Berlinois n'ont pas peur. Vous voyez, genre, leurs gosses à l'école dans le métro, alors qu'ils sont genre en 6ème primaire. Ouais, chez nous en Belgique, c'est impensable ça. Chez nous, c'est impensable. Genre, ici, franchement, c'est très sécurisé. Mais tous les gens sont bienveillants. En fait, comme on a dit ce matin, on a presque l'impression d'être dans une ville de Lego. Tu sais, t'as vraiment l'ouvrier qui va chercher son machin à la boulangerie, t'as le gars qui promène son chien en vélo, genre tout le monde est souriant, tout le monde est content. Il y a rien qui se passe mal. La ville est vraiment genre sécure de fou. On n'a pas vu de rue genre mal famée. Vous voyez les rues, genre, tu dis hey, celle-là si je passe dedans après 23h, genre mon porte-monnaie et mon téléphone ils m'appartiennent plus, tu vois. Et surtout dernier truc, les habitants sont cool. Ouais, j'ai dit que les habitants ils étaient cool. Ouais, mais je le rajoute parce que si ça leur oblige pas des cool. S'il y a des Français qui sont abonnés, des Parisiens, je suis désolé, hein, vous avez la réputation d'être putain de désagréable. Conclusion de ce vlog, n'hésite pas à venir en ouais. Mais n'allez pas au musée de la RDA, c'est de la merde. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la ville de Berlin. Si vous êtes vraiment resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais très bien qu'il y a 93%, je pense. Des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc vraiment abonnez-vous, ça fait grandir la chaîne.
mais je pourrais peut-être vous proposer plus de contenu comme ça, hein, à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment, à commenter, à partager. Dans la description, il y aura mon Instagram, où je vais faire plein de photos de cette ville. Et aussi mon serveur Discord dans la description. Voilà, allez voir si ça vous intéresse. Je vous conseille de venir à Paris. Et sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, et aussi, bon appétit.